Honey! Relax. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où? Les forces spéciales. Tu sais où ils les ont emmenés? Je les ai vus construire un camp de prisonniers provisoire ces derniers jours, Nick. C'est vers l'ancienne station de taxi d'Ingleton. Ils doivent être là-bas. T'as eu le carburant? La famille d'abord, Nick. Merde. Il faut y aller. En fait, tu sais quoi? Je vais chercher des renforts. Il y a un ancien parking qui se trouve en face du camp de prisonniers. Retrouve-moi sur le toit du bureau. On avisera une fois là-bas. Bon, on est reparti, les amis. Allez, on va tout de suite se rendre sur le toit du parking. Je pense que vous l'aurez compris. On va trouver une voiture, hein. Je pense que ça serait l'idéal pour se déplacer dans Lost. C'est Lost Perdidos, c'est ça la ville, hein, qui s'appelle. Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est la honte suprême. Carte. Honnêtement, la honte, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Lost Perdidos. Peut-être que j'ai dit une petite bêtise. C'est quoi ça? C'est un killer? C'est un psychopathe, je crois. On va éviter de les faire, les psychopathes, tout de suite, les amis. Je l'ai dit, on avance rapidement dans l'histoire principale. Allez, hop. Ils sont un petit peu collants, hein, ces zombies, dites-moi. On va en écraser quelques-uns, là. Rassurez-vous, ça fait toujours plaisir d'écraser du zombie. C'est ça qui est bon. Allez, hop. Voili voilouf. On passe. Oh, il y a du peuple. Hein. Oh, il y a du peuple, les amis doux. Oh là là, je suis en première et je vais vous dire que c'est très dur, là. J'ai beau avancer. Oh là là. Oh là là, oh, je suis la bagnole. Hein. On va passer dans la magnifique muscle car, comme dirait un ami américain. Vous inquiétez pas, si vous entendez des chats courir, c'est tout à fait normal. Les miens sont en train de faire la fête, hein. Oui, j'ose le dire. Ils ont raison, ils profitent de la life, hein. Tant mieux pour eux. Est-ce que je peux passer là? Appel entrant, non, je peux passer. Ah, il nous saoule, toujours nous appeler. C'est vrai que c'est bien d'un côté, parce que ça donne quand même pas mal de missions, pas mal de trucs à droite et à gauche à faire. Mais lorsque l'on veut seulement jouer dans la mission principale, c'est vrai que ça prend un peu la tête. Après, c'est vrai que c'est quand même très très bien. Il y a ça, puis il y a également autre chose aussi. Il y a le fait de pouvoir utiliser votre téléphone portable votre PC portable ou une tablette portable avec Smart Glass, hein, uniquement disponible sur sur Android et Apple, il me semble. Donc, disponible pour tout le monde. Hop. Allez, on écrase tout, hein. On fait pas dans la dentelle. Hop. Donc là, on a déjà plusieurs psychopathes, hein, qui nous attendent. Je sais pas si vous entendez mes chats miauler. C'est... Moi, je les entends depuis tout à l'heure, là. Ils commencent un petit peu me gaver. Oh là là, on peut pas rentrer, là. Oh, c'est... Attendez, il y a sûrement un autre chemin possible, là. On va se prendre la tête, on va mettre le plan. Écoutez, il doit y avoir un chemin. On dirait l'autre, un petit chemin d'accès. Pourquoi je ne peux pas rentrer là? Attendez, sur le côté peut-être. Si, mais c'est sur le côté là. Ça a l'air de pouvoir. Oui, voilà, sur le côté ça passe. Allez, on écrase tout ce qu'il y a. Oh là là, tout ce qu'il y a comme zombie là. Il y a un camion de prisonniers qui s'est écrasé, je crois. Ce qui fait que on a eu quand même pas mal d'amis doux. Ah, il y a quand même de plus en plus de prisonniers là, regardez-moi ça. Il faut aller sur le toit du bâtiment. On va essayer d'aller sur le toit. Hein, c'est notre copain, notre ancien copain. Oh là, faut qu'on se barre de la bagnole par contre. Notre ancien copain qui a pris notre copine à nous, hein, enfin. Si mes souvenirs sont bons.
Comment peut-être sur le toit, les amis? Comment va-t-on sur le toit? Par ici, peut-être. Je dirais que j'ai des amis. Évidemment, fallait qu'on se retrouve sur le toit. Non. Voilà, ça passe. Allez, c'est raide. Nick, pêche-toi. Dégagez la zone. Il paraît qu'ils retiennent nos gars dans la zone de détention principale, là-bas, derrière la clôture électrique. Mais il va falloir couper le courant si on veut entrer là-dedans. Le générateur doit être dans le bâtiment principal, là-bas. Hmm? Écoute, Nick, il y a différentes façons de procéder. Tu peux opter pour la manière forte. Ouais. Ou tu peux faire tout le tour du périmètre et trouver comment grimper à l'intérieur. Ou, si tu trouves un de ces uniformes, ils te laisseront peut-être passer. Ils ont l'air assez bêtes. Mais c'est à toi de voir, Nick. Ok. Et attends un peu, où tu vas? Je vais tenter de trouver un véhicule pour notre fuite. Toi, tu vas entrer dans le bâtiment principal, qui est certainement le QG, puis tu coupes le courant. Après, tu vas dans la zone de détention. Je te retrouve à l'intérieur et on fera sortir toute notre bande. À l'intérieur. D'accord. Attends, c'est quoi le... Ah oui, c'est vrai qu'on s'était fait doubler par... par eux, là. Bon. On va essayer de rentrer de façon bourrin. Je pense que vous me connaissez maintenant, les amis. Vous savez que Oxor ne fait pas de la dentelle, généralement. Donc on va rentrer tel des hiboux. C'est parti, mon kiki, de la bidoche. Où est-ce qu'ils sont? Oh, c'est vrai que c'est un peu chiant de... Explose! Voilà. Il y en a sur le toit qui me tire, je crois, mais où est-ce qu'il est? D'accord, il est là. J'essaie de l'allumer. Oh! Je l'ai déchiré. Un truc de ouf. Elle a pas d'arme ou quoi, la meuf là, elle va m'aider? Oh, j'ai lancé la balle de l'oiseau sur sa gueule. Tiens, tiens. Oh là, je l'ai allumé. Attends, elle a un super gun quoi, la meuf. J'ai une mitraillette de ouf. Elle sait même pas s'en servir. Ça fout les haines. Petite ration. Non, non, ration, j'ai dit. Voilà, full life. Nickel. Vous ne pouvez pas initier la destruction de la ville alors que je suis encore en train de le chercher. J'ai besoin de ces 6 jours, comme vous l'avez promis. Ça n'a jamais été l'objectif principal de cette opération. En tant que commandant en chef, je vous ordonne de me relâcher. C'est merveilleux que nous vous ayons trouvé, Madame la Présidente. Car voyez-vous, il nous fallait vraiment un corps. Faites-vous bouffer quelqu'un d'inutile, filmez tout ça et transmettez aux médias immédiatement. Puis faites-lui sauter le caisson. Mission accomplie. Non. Je veux ce Diego. Il n'était pas au musée avec le reste de son unité. Nous devons le retrouver. Si je vous ai permis de continuer vos recherches, c'est parce que j'adore vous faire plaisir, Marianne. La désactivation des puces sera plus difficile la prochaine fois. Un problème relatif aux radiations utilisées pour désactiver les puces. Ça les modifie. Ça pourrait être une bonne chose, en fait.
J'ai demandé à mes hommes de me ramener des mutants pour les étudier. La substance qu'ils émettent, cette gelée royale ou je ne sais quoi, ce pourrait être la clé d'une nouvelle arme. Imbécile ! Restez concentrés ! Cherchez les illégaux dans les tentes de quarantaine, et si vous ne trouvez pas ce Diego... Oh, tuez-les. Débarrassez-nous de cette bande de vermine. Vos désirs sont des ordres. Le générateur doit être par là. Hey ! Oh merde ! Bon, je suis un peu dans le caca. Je peux récupérer mon truc là ? C'est cool, merci. Ça, je l'ai planté dans la tête quoi. Un petit peu un truc de ouf quand même. Générateur. Est-ce que je prends le café là ? Ouais, super. Est-ce que je peux peut-être la soigner également elle ? J'ai un peu besoin, je sais pas trop. M'a l'air que si. Laisse-moi avancer là. Un dieu du ouf. Bon. Avançons les amis. Générateur juste là. Oh là là, il y a plein de trucs. C'est de la merde en plus ce générateur, ça tombe bien. Hop 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 hop. Par contre ça c'était pas le bon plan ça. Ça a libéré tous les zombies. Ah d'accord, le générateur est là. Eh ben on va y aller. Allez, c'est parti. Voilà. Un mini fifou nous. Ah j'adore éclater les têtes de zombies comme ça, c'est une passion les amis, je vous raconte même pas. Est-ce que vous êtes déjà dit, imaginez que notre monde, notre potentiel monde auquel on vit actuellement, IRL, hein, in real life, pourrait être un jour, pourquoi pas, envahi de zombies, hein, c'est une thèse, certes peu probable, mais qui peut, pourrait, enfin imaginez, arriver, même si c'est dans les rêves ou les cauchemars de certains, selon vous, est-ce que vous serez plutôt survivaliste ou vraiment, bourrin, à vouloir faire confiance à des gens, enfin je sais pas, voilà, quels seraient vos attributs, mais quels seraient un peu vos, ce que vous aimeriez faire, voilà, à savoir ce que vous en pensez de tout ça. Moi personnellement je pense que je serais un petit peu un survivaliste, enfin dans le sens où, en fait, je ferai pas confiance à tout le monde, mais j'aurais peut-être tendance à vouloir aider des gens dans le besoin, ce qui est tout à fait normal. Bon, j'ai pas trouvé de plan. Il devrait y avoir un plan par là-haut, je crois. Ah, il y a un plan juste là, je crois. Impec. Bon petit plan. Plan d'armes. Tir scindant. On va le tester. Combo. Allez, on teste. Pas trop ce que c'est, cette bête. Peut être pas mal. Prends ma machette aussi. Alors que mon chat est en train de faire joujou au-dessus de sa caisse. C'est pas le coin, on va dire, où je m'attendais à ce qu'il allait jouer, mais pourquoi pas. Hein. Écoutez, c'est un chat un peu bizarre que j'ai. Il fait pas grand chose. Coup de poing fusée. On va le tester aussi. Moi j'aime bien tester un peu tout finalement. Dès qu'on a un plan, j'aime bien tester. Lance fusée, faudrait je trouve peut-être, non? Ça me paraîtrait assez logique. Bière. Écoute, on va regarder ça. Coup de poing fusée. Il me semble que c'est ça, hein. Si mes souvenirs sont bons. Réservoir. Ah, réservoir, d'accord. Juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un truc de ouf. Oh, shit! Ça a l'air d'être hyper terrible, les amis. Je vous le cache pas. Allez, on est parti. Sur un boss, je pense que ça peut faire bobo. Honnêtement, de vous à moi, les amis, je pense que ça peut
être assez sympathique comme, comme combo. Annie. Nick. Je suis contente de te voir. Fichons le camp d'ici. Allez, mon pote, par là, viens là, aide-moi. Laisse ce blaireau. Il va nous porter la poisse. Je peux pas faire ça, Annie. Mais t'en fais pas. Je le laisserai pas t'emmener. Fais vite. Tu sais, pour un petit merdeux, tu t'en sors bien. Faites gaffe à ce que vous dites, Gary. Courez! Allez jusqu'au van! Je vais vous couvrir! Suivez-moi! Ils arrivent! Bon. Moi, j'aurais été lui, je l'aurais pas libéré. Après, ça ne regarde que moi. Voilà. Je sais pas tirer ou je sais pas tirer? Je crois que je sais pas tirer. Oh, j'ai pris cher au cela, les gars. Où est-ce qu'il est? D'accord. C'est vraiment une bonne arme, quand même. Y'a pas à dire. Ah, ça tire dans tous les sens. C'est un truc de ouf, en fait. T'es mort? Ouais. Allez, on court au van. Est-ce qu'on peut le dézoomer, lui, là? Eh, doucement, toi. Eh, doucement, doucement, copain. Copain, pas tellement, en fait, hein. Même pas trop. Pas GG, finalement, cette arme-là. Pas trop kiffé. Ça tire un peu dans tous les sens, en fait. C'est pas mal quand on, dans un... quand on est coincé par les zombies, hein, certes. Allez, on va allumer ça. Voilà. Genre. Oh, il y a le commandant qui arrive. Oh, bah voilà. Pour ça, je peux sortir... Oh là là, je lui donne très cher, allez. Oh mon dieu. Ah là, je vais l'allumer un truc de ouf, lui. Ah, c'est super, ces gants. Honnêtement, je kiffe, les amis. Ah, c'est génial. Voilà, on a pris ça. Ah, j'ai vraiment kiffé, les gants. Extrêmement bien foutu ces gants là, les amis. Vous avez vu le petit truc qui... Allez, sors de là. Hé, hey, reviens ici, j'en ai pas fini avec toi. Je devrais te refaire le portrait. Mais je te dois une fière chandelle. Allez, au boulot. Allez. Attends. Je dois faire le plein de l'avion. Et avertir mon ami. Ils sont à ses trousses. Oh, je crois que ton pote est pas le seul qui recherche. C'est quoi ce délire? Pourquoi? Je sais pas, Nick. Je crois que c'est à toi de me le dire. C'est quoi cette histoire? Te jure, Ed, j'en ai aucune idée. Extrêmement dangereux, tu parles. Rendez-vous à l'avion? Il se trouve dans l'entrepôt, sur les docks. Je vais aller chercher Annie et les autres. On se retrouve au bar karaoké de Sunset Hills, d'accord? Où est le carbu? Il est à Central Storage, plus loin sur l'autoroute. Sous le pont. Il est à l'intérieur. Tu peux pas le rater. Oui, donc je disais, les coups de poing qu'on a là, les poings avec les fusées, c'est trop bien parce qu'en fait, quand on utilise le coup spécial, finalement les poings s'enlèvent et vont et volent un peu. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympathique et super efficace en plus. Donc il faut aller où? Aller à la centrale. Oh là, il faut aller faire tout le tour de la ville. C'est ça que je reprocherais peut-être à ce jeu, c'est qu'on se fait quand même souvent mener un peu à droite et à gauche. Ils pourraient pas tous se centraliser sur un point, puis après voilà sur un autre, etc. Je trouve ça un peu dommage quand même, c'est un point négatif. Mais bon, on n'est pas là pour faire le test. On est là pour prendre beaucoup de plaisir.
Et je pense que vous en prenez. Moi, j'en prends beaucoup. Sur ce jeu. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'une fois que je l'aurai terminé, je le referai sans attendre. Pour essayer de tout débloquer. Vous savez que je suis un très très grand fan. Je suis un chasseur de succès. J'ai fini d'ailleurs Rise. Je l'ai fini à 100%. Hein. J'ai torché le jeu assez vite. Je l'ai vraiment apprécié, Rise, venir dessus. Que ce soit avec vous ou en solo, je l'ai refait en mode légendaire. Et je peux vous dire qu'en mode légendaire, ça change vraiment du mode normal, quoi. Faut vraiment comprendre et surtout assimiler toutes les techniques, toutes les feintes de ce jeu. Toutes les esquives, toutes les parades, etc. Faut vraiment bien y prendre en main. Je veux pas répondre tout le temps au téléphone. Si je veux répondre, mais bon, on s'en fout, histoire de... moi, je peux vous dire que Rise, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Que ce soit avec vous ou en solo. Et mode multijoueur, je l'ai vraiment bien accroché aussi. Hein, pour vous dire, je suis passé level 100 assez vite. Hein, j'étais surpris. J'essaierai de faire une petite vidéo tuto pour... Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, j'en ferai pas. Mais pour vous expliquer, c'est assez simple, finalement. Je sais pas s'il y a besoin d'une vidéo tuto ou pas, on verra. Si vous êtes nombreux à me le demander, je la ferai. Ah, dis donc, on en bute un des zombies, les amis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je peux vous dire que... On va se recoincer sous peu. Je vais me sauver, parce que à mon avis, il en est baisé. Hein. Allez. Je sais pas si on peut prendre une voiture de police. Il me semble que les voitures de police sont toutes cassées. Ah bah attendez, il y a juste une voiture juste là. Nickel. Allez, Randala, allez, monte avec moi. Ah, quand même un peu mieux. Quand elles sont réparées, les voitures, hein, c'est sûr que là, ça commence déjà un peu mieux. Tout de suite, beaucoup plus sympathique. Pour ça, je pense qu'il faut pas hésiter à changer de voiture hein, quand on voit que... Est-ce qu'on peut traverser là? Je me demande un peu. Oh oui, on peut. Super. Et le petit saut. Génial. Génialissime. Honnêtement, les amis, là, ça le fait. Ça le fait grave, même. J'en écrase beaucoup de zombies. Hein. Je sais pas si je les tue tous, il me semble pas. Assez résistant pour la plupart. Où est ce foutu entrepôt? L'entrepôt, me semble-t-il qu'il est, ce truc est mort. En bas. Voilà, je fais un jump de la night. Allez. Ça va être chaud ici, les amis, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a là? On va fouiller un peu. C'est bon. On a des clés déjà. Ça c'est déjà très très bon les clés. Les clés ça fait toujours plaisir quand on en a généralement. Non non, tiens reprends ça. Moi je prends la machette. Moi je suis un gars de la machette moi. Moi je suis un gars, je coupe. Je coupe les gens en deux moi. Je suis un fifou moi. Je suis un gars de la night. Un plan. Quelle surprise. Arbalète. Oh bah ça, oh oui. Moi qui suis un très 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 grand fan de Dead Rising, vous pouvez vous en douter que l'arbalète, je ne la laisserai pas passer. Super arbalète. Donc, arbalète plus moteur de moto. Moteur de moto. Il est où? Il est juste là, je crois, mais je peux pas le prendre. Pourquoi? Attendez. L'arbalète. Non, ça c'est la chicha, ça. Oh my fucking god! Je vais pas apprécier si je commence à mettre 10 ans pour choper une vieille arme. Ça, c'est le truc que je repense à ce jeu. C'est que c'est pénible. Parfois, pour choper un objet, on doit s'y prendre 15 fois. Voilà. Super arbalète. Moi, je la fais. Hein. Écoutez, on n'est pas là pour beurrer de toute façon. Moi, je la prends. Ah, je kiffe l'arme qui est là, ma collègue là. Ah ouais, hein, c'est impressionnant, t'as vu ça? Tu veux la même arbalète? Contacte-moi si tu veux.
envoie arbalète au 3980. J'ai peur d'avoir une mauvaise surprise en ouvrant ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle gueule? Pourquoi elle gueule? Elle est bizarre, hein. C'est Nana en même temps. Moi j'aime beaucoup moi les fusées à pompe. Si on trouve des grenades, ça sera encore mieux en fait. Et ça, je sais que vous savez pourquoi quand je dis grenade. Grenade plus fusée à pompe, ça fait beaucoup de dégâts. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Dégagez! Non, arrête! Non! Non! Dégagez! Non!